Tu te rappelles de ça? Je te l'avais donné à Barcelone. C'est un billet de retour. Si les affaires ne marchent pas, quand tu veux, tu pourras l'utiliser pour rentrer chez toi. Mais je ne l'ai jamais utilisé, n'est-ce pas? Nous sommes rentrés ensemble. Je n'ai pas eu besoin de ce billet. Parce que je suis heureuse auprès de toi. Je n'avais jamais, de ma vie, jamais aimé quelqu'un autant et aussi intensément. N'oublie jamais cela, Chloé. Merci. Merci pour Barcelone. Merci pour ces mots. Merci pour nous. Merci beaucoup. Tu devrais te reposer. Je veillerai sur toi. Comment oses-tu venir ici? Nous n'avons pas besoin de toi. Hermès. Hein? Allez, va-t'en. Hermès, pardonnez-moi pour ce qui s'est passé. Mais je ne partirai pas avant de m'être réconcilié avec Jelai. Je l'aime du fond du cœur. Je t'en prie, Hermès. Je l'aime plus que tout. Calme-toi, Hermès. Allez, ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Rentrons. Écoute-moi, s'il te plaît. Allô? Oui. Pourriez-vous me passer la chambre 525, s'il vous plaît? Bon sang, Jelai, réponds, réponds! Allô? Jelai,
Je suis contente de t'entendre. Je t'ai trouvé grâce à ton chauffeur. Comment ça va? Ça va bien, Vera. Par rapport à ce qui s'est passé... Je suis désolée pour le tracas. Je le suis vraiment. Ne t'en fais pas. Pas de problème. L'important, c'est que tu ailles mieux. Tu as parlé avec Louis? Non, pas encore. Honnêtement, je saurais pas vraiment quoi lui dire. Jelai, je t'en prie, il faut que tu te remues. Tu dois résoudre ce problème. Si tu l'aimes vraiment, tu lui pardonneras. Vera, merci pour tout ça. D'avoir toujours été présente quand j'en ai eu besoin. T'es quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. Bien sûr. Je ferai n'importe quoi pour toi. Tu devrais te reposer. Bonne nuit. Fais attention à toi. À bientôt. Bonne nuit. Comme si le drame du mariage jamais accompli ne suffisait pas, nos sources ont découvert récemment que Victoria Valera venait de perdre son bébé dont le père serait Louis Villamor, celui-là même qui devait épouser Jelai Agustin. Apparemment, maintenant, la guerre est hors de contrôle et semble avoir monté d'un cran à la suite de cette tragédie. Hé, hey, là. Hermès. Allons prendre un café. Sa tension est à 12, monsieur. Je passerai voir si tout va bien dans une heure. Merci, très bien, madame. Monsieur. De rien. Tout ça passera aussi, Victoria. Avec le temps, tout se résoudra. Tu crois que c'est facile? Ce n'est plus pareil. J'ai perdu mon bébé. Je me suis occupé de tout, Victoria. Nous ferons un enterrement digne de ce nom pour le bébé. Ton enfant sera enterré aux côtés de tes deux êtres les plus chers. Stella et Angela. Réveille-toi, espèce de marmotte. Je t'ai préparé le petit-déj. Allez, debout! D'accord, Kaloy. Dépêche-toi! Allez! Voilà. Des fruits. Allez, mange. Ça te fera du bien. Kaloy,
Oui. Non, rien. Merci d'être venu. Je crois qu'il est temps de retourner à Barcelone. Et notre mariage, alors ? Sincèrement, je pense que ce mariage était une grosse erreur. Si j'ai fait ça, c'était pour me prouver à moi-même et à tout le monde que j'étais celle qu'il aimait. Et ça a été un spectacle. Une production grandiose. Hein, t'es pas d'accord ? Et tout ça... ça m'a tellement épuisée. Nous pourrions nous marier en Espagne. Je veux dire, peu importe où ni comment on se marie. Du moment qu'on est ensemble, toi et moi. Est-ce que tu l'aimes encore ? Ça, c'est une bonne question. D'ailleurs, je continue à me la poser, tu vois. Est-ce que je l'aime assez ? Est-ce que je l'aime trop ? Est-ce que je peux donner plus ? On dirait que... même en essayant de lui prouver tout mon amour... ça ne suffit jamais. Il n'y en a jamais assez. Et tout ça parce que je sais qu'il y a eu quelqu'un dans son passé. Quelqu'un qui l'a profondément aimé. Tu crois que tu pourrais vivre sans lui ? À mon avis, répondre à cette question t'aiderait à décider. Je sais ce qui est important. C'est nous. J'en ai marre d'être ici. Nous n'avons plus aucune raison de rester, tu crois pas ? Seras-tu finalement heureux sans lui, Chloé ? Si tu l'aimes vraiment, si tu n'as aucun doute, tu devrais lutter pour ton amour. Tu devrais... te battre. Bats-toi. C'est toi qui m'as appris ça. Mais qu'à l'œil, je commence à croire que... on peut pas gagner toutes les batailles. Un jour viendra... où il nous faudra accepter la défaite. C'est terminé. C'est fini entre nous. Il fait partie du passé. Jelai. Papa, je t'en prie, ne t'en fais pas pour moi. Allez, donne. Tout va bien, d'accord ? Ma chérie, je veux que tu saches que... Louis t'a attendu dehors toute la nuit. Je ne suis pas prête à le revoir pour le moment. J'ai besoin d'un peu de temps. Elle n'est pas encore prête. C'est ce qu'elle dit. D'accord. Si tu n'es pas bien, je comprends. On fait comme ça, je te rappellerai papa, d'accord ? Bye. Je suis désolé. Calme-toi un peu. Reste tranquille, d'accord, Victoria ? Tu as besoin de te reposer.
Je veux voir mon bébé, je veux... Calme-toi, d'accord? Attends une minute. Reste tranquille, Victoria. J'ai mal, attends. Aïe. Tu as encore mal? Doucement maintenant. Vera, s'il te plaît, ce n'est pas le moment. Mais je suis ici pour te soutenir, Victoria. Je sais que c'est très douloureux pour toi. Je comprends la douleur que tu dois supporter. C'est très bas, Vera. J'attendais mieux de toi. Je suis vraiment désolée. Tu as perdu Louis parce que finalement il a choisi d'être avec Jelai. J'aurais jamais imaginé faire une fausse couche sans Manuel, sans personne pour m'épauler. Jamais je n'aurais supporté ça toute seule. Et tous les jours je remercie Dieu que Manuel m'ait choisi, qu'il ne m'ait pas abandonnée. Et j'aurais voulu, simplement voulu que quelqu'un prenne soin de toi aussi. Vera, je sais que tu as un cœur de glace. Mais ne pourrais-tu pas nous laisser tranquilles 5 minutes au moins? Va-t'en d'ici. Fiche la paix à Victoria. Mais j'ai amené mon cœur. Non, non, on n'a pas besoin de ça. Victoria, sors immédiatement, ça suffit. D'accord? Toi. Assez, Vera, Victoria. Assez. Quand est-ce que cette folie va finir, Vera? Quand penses-tu laisser tomber? La fin? Pourquoi penser à la fin quand ça vient à peine de commencer? Le mariage a été décommandé. Jelai souffre. Et maintenant, Victoria vient de perdre un bébé. Eh bien, dis-moi, Marc, qu'est-ce qui t'a fait penser que je ne voulais pas que le mariage ait lieu? Je tiens absolument à célébrer ce mariage. Je veux que Jelai fasse souffrir Victoria autant qu'elle peut. Leur douleur durera une longue éternité. La douleur, ça ne peut pas s'oublier. Et ça n'arrivera que quand Jelai et Louis se marieront, tu comprends? C'est beau l'amour, non? Quand j'ai demandé ce boulot, je n'ai pas posé de questions. Que t'ont-ils fait? Et si jamais pour une question quelconque, Jelai apprend tout? Et qui le lui racontera? Dis-moi. Continue. Attendons voir si elle croit à ces histoires. Maintenant, elle a pleinement confiance en moi. Je suis son amie la plus proche. Je suis comme une sœur pour elle. Inutile d'ajouter que j'ai Jelai dans ma poche. On dirait que les choses ne vont pas être aussi simples. Vas-y. Vas-y, allez. Ah, Louis. Je savais que je te trouverais ici. Je sais où se trouve Jelai et je crois que tu devrais aller la voir. D'accord, alors donne-moi une minute. Thank you.
ne t'approche plus jamais d'elle. Si tu me provoques encore une fois, je te jure que je n'hésiterai pas à te tuer.